Nous sommes devenus les otages de ces barbares. Ils ont tué tous les gardes. Ils nous ont demandé d'adorer Satakal, leur grand serpent. Toutes les autres croyances, nordiques, Khajiit ou autres, sont interdites sous peine de mort. Qui nous libérera de ce fléau? Fort Ivar appartient à la châtellerie de Fayez. J'espère que le jarl de Fayez enverra ses hommes pour libérer le village. Beran, tu es Rougegard par ta mère, et tu descends du clan Wurken par ton père, les premiers de Vemer qui ont conquis Martelfell. Isra, aujourd'hui le pays des Rougegard. Mon ancêtre a lancé à travers Tamriel le marteau magique Volendrun au cours de la première ère, et il est tombé pas très loin d'ici, à la gorge du monde. Le seul chemin qui mène à la gorge du monde est ce chemin qui monte jusqu'au monastère des Grisbarbes à la sortie du village. Beran, nous l'avons bloqué. Personne ne monte. Voilà pourquoi Forivar est important pour les Rougegard. Ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, depuis Martelfell, savent que ce territoire est à nous. Tous ne t'ont pas suivi. Beaucoup de Rougegard ont dit que le serpent Satakal t'avait rendu fou. Ceux-là sont des blasphémateurs. Ils paieront le jour venu. Demain commencent les célébrations de Satakal, le premier serpent, le dieu de toutes choses. Je connais le calendrier rituel, le troisième jour de sombre ciel. Selon nos rites, nous devons choisir l'un des habitants de Forivar. Il subira la transformation. Isra, c'est ainsi seulement que nous imprimerons notre marque sur ce village. Et qui as-tu choisi? Un certain Joftor, l'un des fermiers du village. Viens avec moi. J'ai interdit que l'on vende de l'hydromel à l'auberge. Qu'as-tu fait de tes réserves d'hydromel? Seigneur, je les ai détruites. Que peux-tu me dire de Joftor? Il vit avec sa famille, la dernière ferme en bas de la route. Ses récoltes sont florissantes. Il apporte beaucoup au village. Il n'est pas irremplaçable. L'un de mes alikirs fera son travail. Mais que voulez-vous dire? Tu n'as aucune question à me poser. Répète après moi. Satakal est le premier serpent, le dieu de toutes choses. Satakal est le premier serpent, le dieu de toutes choses. Tu apprendras les rites et les coutumes des Rougegard. Ce village doit changer. La vieille peau se déchire et se détache, la terre tremble. Alors Satakal apparaît dans sa nouvelle peau. Satakal est venu avant, et tous les mondes étaient nichés dans ses écailles. Seigneur, il a bu la potion de racines noires. Il ne bougera pas de sa place. Il ne cherchera pas à fuir. Mais il ressentira la douleur quand l'acier de ta dague arrachera son ancienne peau. Nous sommes ici à l'emplacement d'une ancienne cité de Vemer, bâtie par mes ancêtres, le clan Rourken. Ce lieu a été profané par les géants. Nous l'avons purifié. Cette flamme est désormais sacrée. Pourquoi suis-je ici? Je ne peux pas bouger. Enlevez-lui ses vêtements. Tu entends mes paroles? Dans votre langue à vous, je vais t'écorcher vif,
enlever ton ancienne peau. Sadakal te recouvrira d'écailles avant de t'emporter dans ses anneaux. Les Talmor sont déjà là. Yar le Juste Loi. Capitaine Arctus, vous savez que des Rouge-Gardes venus de Martelfell occupent le village de Foribar. Ce que je sais, ils ont imposé leurs rites et leurs coutumes, comme si ce village était à eux. Ils ont forcé les habitants à renier leurs croyances, et ils doivent adorer le grand serpent, l'un des dieux des Alikir. Fort Ivar appartient à la châtellerie de Fayez. Je ne peux pas ne pas réagir. Les autres châtelleries ne bougent pas beaucoup, à part les Talmor. Les Talmor, que font-ils ici? Ils connaissent bien ces guerriers venus du désert Alikir, pour les avoir combattus, chez eux, à Martelfell. Leur aide nous est précieuse. Et qu'avez-vous décidé? J'envoie un groupe d'hommes en armes sur Forivar, et vous les commanderez. Je connais votre valeur au combat. C'est un honneur. Je les renverrai en enfer d'où ils viennent. N'appelle-t-on pas aussi Martelfell le pays de la mort? D'autres l'appellent l'enclume, en souvenir d'une légende, l'histoire d'un marteau magique, mais je ne connais pas toutes ces traditions et ces coutumes. Ce que je sais, c'est que je ne laisserai pas un Rouge-Garde vivant dans Forivar. Qu'est-ce que c'est? Aïla, attention! Je lui ai fait sauter la tête. Ça ressemble à un tueur de la confrérie noire. Peut-être une simple embuscade. De quoi parles-tu? Tu sais bien qu'ils agissent jamais par hasard. À Fort d'Hiver, je suis un marchand, pas un sombrage. Qui pouvait le savoir? Arnheim, pourquoi un seul assassin? Nous sommes deux. Il n'avait aucune chance. Peut-être qu'il ne savait pas que tu m'accompagnais. C'est à moi seul qu'il en voulait. Quelqu'un a mis un contrat sur ma tête. Tu dis que le Jarl Korir a reçu un groupe de Rouge-Gardes. Je vais aller lui faire une petite visite de courtoisie. On se connaît depuis longtemps, lui et moi. Des aventures avec Bran, j'imagine. Aïla, voilà déjà 10 nuits que j'espionne les Rouge-Gardes pour Ulfric. Je dois remettre mes vêtements de marchand. Je suis un marchand, pas un sombrage. Passe devant. On ne doit pas nous voir arriver ensemble. Et si tu veux me voir, je serai à l'auberge, à discuter le prix de la fourrure avec des Rouge-Gardes. Arnheim, sois prudent.
Et voilà, je ne suis plus un sombrage, mais un marchand venu de Markat, en espérant ne pas être démasqué. Fort d'hiver. Il n'a plus la splendeur qu'il avait jadis. C'est ici. Ah et là, il y a si longtemps, Jarl Korir, je suis sensible aux rumeurs, alors je viens vous voir. Nous nous connaissons depuis longtemps. Les aventures de Bran le Nordique. Il est maintenant à Savengard, à boire l'hydromel avec les héros et les dieux. Vous, l'allié d'Ulfric, à fort d'hiver, vous parliez de rumeurs? Je sais que des rouges-gardes sont chez vous, à fort d'hiver. Leur venue à bord de ciel m'intrigue. C'est Ulfric Sombrage qui vous envoie? Absolument pas. Il y a longtemps que je n'ai pas mis les pieds à Vendôme. Disons que je suis en manque d'aventure. Ah, et là, même si vous êtes l'allié d'Ulfric, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Ces rouges-gardes offrent beaucoup d'argent à qui leur remettra un artefact, une sorte de marteau magique perdu, disent-ils, dans les ruines d'une cité de Vémère. Mais laquelle? Vous avez exploré de nombreuses cités de Vémère avec Bran. Vous pourriez peut-être m'être utile. Ils payent bien une centaine de sacs d'or qu'ils ont ramenés de Martelfell, une fortune de roi. L'aventure est excitante. J'accepte. Ulfric ne doit rien savoir. Vous avez ma parole. Il n'en saura rien. Je vais aller voir Arnheim à la taverne. Le marchand venu de Markat. Des rouges-gardes, bien sûr. Je cherche un marchand venu de Markat. Ah oui, en Bior. La première porte sur votre droite. Salut Arnheim. Je les ai infiltrés, grâce au Jarl Korir, mieux que ton déguisement de marchand. Cet artefact qu'ils recherchent. J'ai pensé à une certaine cité de Vémère que nous n'avons jamais explorée avec Bran. Je vais leur servir de guide. Ah, hélas, c'est dangereux. Et j'ai cru comprendre qu'ils ont un plan de conquête. Ils ont déjà pris le village de Porivar. Ils sont un certain nombre à avoir franchi la frontière, cruels et déterminés, comme le sont les guerriers du désert à Lykir. Il ne s'agit peut-être pas d'un artefact seulement. Pour l'instant, ils sont là, à attendre, dans cette taverne. Ils ont rencontré l'un des mages de l'Académie, un chercheur de trésors. Écoute, Arnheim, j'ai peur pour toi. Tu en as assez fait. Retourne à Vendôme. Tu diras à Ulfric que je prends le relais. Tu sais les sentiments que j'ai pour toi. D'accord, je ne suis pas à la hauteur de Bran. Ne doute pas de toi, Arnheim. Tu es un guerrier, un vrai nordique. Quand je te reverrai à Vendôme, j'espère que tu porteras l'armure de l'ours. Bran n'a pas les yeux fixés sur toi depuis Savengard. Je demanderai à Ulfric la permission de t'accompagner dans cette aventure. Après tout, je ne suis qu'un marchand.
bon, je suis assez loin. Je peux remettre ma cuirasse de sombrage. Ce froid est glacial. Le cadavre d'un garde. Qui l'a tué? Des Talmors. Que viennent-ils faire ici? Ayla, je t'en prie, donne-moi la force de Bran le Nordique. Azir, demande qu'on brûle les cadavres des gardes. Je ne veux plus les voir. Et montons jusqu'au tertre. Je veux te parler. Et au pas de course, comme à l'entraînement. C'est là que les Nordiques enterrent leurs morts. On dit qu'il est peuplé de drogueurs, les spectres d'anciens Nordiques. Tous ces Nordiques rendent un culte à des démons. Azir, nous allons purifier ce lieu. Ce tertre deviendra un temple à la gloire de Satakal, le serpent de l'origine. Beran, tu penses qu'ils vont tenter de reprendre Fort Ivar? Sans doute. D'autres Rouge-Gardes ont franchi la frontière. Ils devraient nous rejoindre. Mais pour ça, nous devons préparer le terrain et affaiblir leur châtellerie. Et de quelle façon? Allons faire quelques pas dans ce tertre. Des squelettes. Il faudra brûler tout ça. Un autel d'invocation. L'entrée est ici. Azir, quelques pas seulement. Un escalier descend dans ces ténèbres. Tu as le cœur bien accroché? Et c'est ici que les Nordiques enterrent leurs morts. Azir, regarde à quoi ressemble l'enfer. Beran, tu veux descendre là-dedans? Non, j'enverrai des hommes pour purifier le lieu. Je te l'ai dit, quelques pas seulement. J'ai du mal à croire que tu descends du clan Wurken, cette race aujourd'hui disparue. Oui, par mon père. Et nous devons retrouver Volendrung, le marteau magique. Lui seul me donnera la légitimité. Allons-y, descendons. Il y a une ouverture ici. Une porte. Un de leurs esprits.
ils ont des pouvoirs. Beran, je n'aime pas trop ce lieu. Nous le détruirons. Mais je dois te parler. Tu m'as dit comment faire face à ceux qui tenteraient de reprendre Forivar ou de nous affronter. Oui, ils sont beaucoup plus nombreux. Être un chante-lame ne consiste pas seulement à combattre l'épée à la main. Que sais-tu des Ansai? Ce sont les maîtres de la voie de l'épée spirituelle, l'épée sainte. Et tu es l'un d'eux, Beran. Et tu en connais d'autres? Oui, Kular, qui a vécu de nombreuses lunes dans un ermitage du désert Alikir, avec les scorpions et les serpents. Et c'est un Ansai, lui aussi. Je dois former certains d'entre nous à cette ultime discipline, le Pancratosword, l'épée de toute puissance. Seuls les Ansai, qui sont les maîtres de cette discipline, savent de quoi il s'agit. Agir, c'est une attaque dévastatrice. J'aimerais aussi recevoir cet enseignement. Agir, ton temps viendra. La technique consiste à modifier les lois de la nature sur une surface assez grande. C'est ainsi que Yokuda, le continent d'origine des Rouges-Gardes, a été submergé par des raz-de-marée et des tremblements de terre à cause de l'utilisation répétée de ce pouvoir. Et nous avons dû émigrer vers Martelfell. Nous pourrions détruire une ville? Presque. Autour du lanceur de sorts, celui qui manie l'épée spirituelle, toute la zone est dévastée. Attention, celui qui utilise la Pancratosword n'y survit pas. C'est une attaque suicide. Beran, je n'ai pas peur de la mort. Un seul Ansai par châtellerie, ça devrait suffire à déstabiliser tout bord de ciel, les hommes comme le paysage. C'est un sort cataclysmique, terrifiant. Beran, enseigne-moi cette discipline. Pour l'instant, Kular s'est porté volontaire. Azir, remontons à la surface. J'enverrai des hommes pour explorer et purifier ce lieu. Le capitaine Arctus doit être en route. Nous lèverons le camp à l'aube. Forivar n'est plus très loin. Nous sommes au sud de Forivar. Le village se trouve derrière la grotte de Brinectar. Nous passerons par l'épée tous ces rouges gardes. Tu vas te servir de la Pancratosword, l'attaque toute puissante. Que nos dieux te donnent la force. Oui, leur campement n'est pas loin. Azir, imagine 10 de nos guerriers ayant le même pouvoir. Beran a raison. Il faut former des volontaires. Nous détruirons leur châtellerie et on célébrera le grand serpent à la gorge du monde. Tu n'as pas peur de mourir? Tout Waka me guidera jusqu'au lointain rivage. Ne parle pas. Nous approchons de leur campement. Maintenant, Azir, recule-toi. Éloigne-toi très vite. Tu pourrais être blessé ou même tué. Kular, fais pleuvoir la mort sur tous ces chiens. Ce soir, j'aborderai les lointains rivages.